route pour revenir à l'endroit où on était. Allons-y tout de suite. Bah, il faut que tu me trouves environ 25 personnes pour follow. Et que j'ai 3 viewers en moyenne ce mois-ci. Et après, c'est bon. Alors, c'est vrai. Là, c'est pas n'importe quel jeu de rythme. Moi, je les ai eu plusieurs fois, les 3 viewers de moyenne. Parce que je volais tes viewers. Mais... C'est vraiment fort, non mais faut savoir les gars, parce que là faut vous mettre d'accord. Hein. Bah oui, je sais. Les tutes. On va faire gaffe, le boss final, enfin bon c'est pas tout de suite. Mais il y a un des bruitages du boss final, je sais pas pourquoi, il est beaucoup trop fort. Bah clairement le BGE. Ça dit ça, mais ça l'a craqué. Non, malheureusement. Malheureusement, il y en a pas. C'est un peu le seul défaut du jeu. Et le fait qu'on puisse pas pêcher. Quoique, techniquement, on peut un peu pêcher. Bon, on va essayer de faire moins que la run d'avant. Alors qu'Unrain, effectivement. Mais on peut pas pêcher dans Unrain. Allez le jeu, la cinématique. Allez la cinématique. Vous voulez pas savoir, Freddy? Alors, je suis pas sûr que Cyberpunk en ait moins. Laisse-moi bouger, s'il te plaît. J'ai vraiment des drops de FPS dans cette zone. Je sais pas si c'est l'eau ou si j'ai fait un truc qu'il faut pas. C'est très bizarre. Très très bizarre. J'avais pas ça la dernière fois. Non mais ça c'est dans la version HD qui arrive. Je te déteste, Ovelie. Merci de me rappeler que je suis une merde. J'en ai une. Ouais, j'étais pas à 40 secondes, j'étais à 41, donc ça passe. Allez, oncle Pan. Ah, péter son écran, ce serait pire. Heureusement, je connais personne qui a fait ça. J'avoue, je joue à Titanfall 2 en même temps. Très bon jeu. Assez similaire à Sombre Symphony aussi. Vous entendez ma manette ou pas quand je spam? La question. Nice. J'ai l'impression que le délai il est super bon aussi aujourd'hui. Oh, on a joué l'autre jour, Favoli. Je t'ai pas proposé parce que ça arrivait un peu au pif du pif. Ouais, bah ils ont d'abord fait Titanfall 2, puis ils se sont dit ouais, on va apprendre de nos erreurs, on va faire un jeu encore mieux. Ils ont fait Songbird Symphony. Ouais, c'est ça.
Mais c'est un peu les mêmes persos. Et n'empêche, 100% de réussite sur le glitch. Là. Le glitch donc le pont. Sub 6. Lol, c'est drôle, on était en l'air. Ok. Zone interminée. Zone 2. Daragold. Meilleur nom pour une emote, ça. Ah, c'est. Moi, je peux rien faire pour les emotes, c'est à vous de travailler pour les avoir. Malheureusement, c'est pas en mon pouvoir. Hein. Le Game Slayer. Le skip. Encore une seconde de gagner. Reperdu directement parce que je me trompe de chemin. C'est le karma. Et des subtitles. Ah, c'est Christophe qui fait les subtitres. Pardon. Sinon, moi, je stream en anglais. Hein. Hello everyone. I'm streaming in English. So basically, there is an owl, and we need to kill him by singing very well. Even though we can just not sing, and it's. Ah. Oli qui juge mon accent alors que j'ai fait vraiment des efforts. Moi, c'est l'anglais. Ça va alors. L'anglais vient d'Oxford ou moi? Faut pas faire ça. Genre, il y a vraiment des gens qui ne connaissent pas le jeu encore. Efface tout de suite ton propre message. Burp, c'est pas le méchant. T'as pas entendu, Fizzy. Mon perso n'est pas le méchant. Pas le méchant, je joue pas le méchant.
Pour éduquer le chat, c'est ça. Mais c'est ça le guac. Pouah, mais quel time save de fou! J'ai peut-être fait une bêtise. Encore une fois. Je te juge pas, en vrai le jeu est bien. Hein. Si tu enlèves tout le fait que c'est de la merde. Moi je le veux aussi en vrai, il me fume le jeu. Et du coup là Freddy, à partir de là tu ne connais pas. Et là c'est la découverte. C'est la découverte. On arrive au royaume des poulets. Oh merde. Une seconde de perdu, ça y est. Reset. C'est le royaume du machine. C'est un peu ça, hein. Mais Rainbow, c'est mieux. Je crois que j'aime pas le machine dans ce jeu, c'est le seul truc que je déteste. Ouais. Je sais pas comment, mais ouais. J'ai effectivement gagné 2 secondes. Le SRAM. Que 30, que 37, 39. Allez, Egbert. J'ai vraiment une merde. Léger glitch. Bon, les autres sont au courant, mais Freddy, ne t'inquiète pas, tout va bien. Ouais, c'est trop posé, Twitch. Alors là, ça paraît peut-être pas normal, mais c'est tout à fait normal ce qui se passe. Ah, t'as 3 semaines, c'est bon. 2 heures, c'est quoi dans 3 semaines? C'est 2 heures. Yes. Va bien.
En gros, l'histoire du jeu, c'est qu'on est un petit oiseau qui vit avec un paon. Et dans le village des paons, quoi. Sauf qu'il se fait bully parce qu'il est différent des autres et il comprend pas trop pourquoi. Et du coup, son but, c'est de retrouver ses vraies origines et comprendre pourquoi tout le monde le bully alors que c'est vraiment un paon, tu vois. Ça se voit. Et comme Oncle Pan lui a toujours dit que le hibou, c'était l'animal le plus intelligent de la forêt. Ah merde. Merde. Désolé. C'est la mauvaise touche. Cinq viewers, bah oui, il y a toi, moi, Evoli, Daisy et Barba qui a dit un message. Non mais t'inquiète, Freddy. De toute façon, je pourrais juste lâcher la manette pendant les chansons, ça marcherait quand même. Chaque fois, j'ai un peu peur qu'ils me remettent pas la caméra, mais tout va bien. Ok, nice, nice. Ok. Bon, du coup pour le lore, Freddy, parce que vu que ça t'intéresse. Lui, c'est le grand emprouster, c'est l'empereur des poulets en gros. Et on est venu lui demander pour qu'il nous apprenne la note des poulets. Et en fait, ce qui se passait, c'est que son trône était trop grand pour lui, du coup il fallait qu'on aille chercher un plus petit trône. Et en échange, il nous apprend la note. Et là, il est en train de nous apprendre la note. En chanson. Oui, j'avoue que le fond, il fait peur. Ah, maintenant, il faut applaudir absolument en même temps que les poulets. J'ai oublié de le dire parce que, voilà. Mais en gros, à chaque fois, il faut que vous applaudissiez, c'est très important. Sinon, la run faut reset. J'ai failli oublier de le dire. C'est vraiment important. Chris, t'as pas applaudi? Allez, mais j'ai 10 secondes d'avance sur mon PB et t'applaudis pas et je... Bon, si tu fais les autres, je pense que ça passe, mais... Ah, les voisins applaudissent aussi. Bah ça, ça compensera Chris qui... Voilà, c'est pas un strab. Sympa. Heureusement que vous êtes là, Crevoli Freddy et les voisins de Freddy. C'est clair. On l'a cramé, Barba.
Pouah, ouais, je suis vraiment genre... 7 secondes sur ce truc. Ouais, moi aussi des fois, mais j'essaye de pas chanter à haute voix parce que là ce serait vraiment grave. C'est vraiment horrible. Et vous partiriez tous, je le sais. Même moi je partirais, je pense, si c'était le cas. Ok, alors c'est quoi? Merde, j'ai oublié. Abandonné Egbert, désolé Egbert, on t'aimait. Bah, je pense même en anglais, applaudir c'est plus ou moins pareil. Non, tu parlais pas d'applaudir, je suis désolé. Je parlais des paroles. Ça, alors que je suis un petit oiseau tout cute. Ne partons pas dans des débats, Fizzy. Pas mal, pas mal, pas mal. Non, si j'arrive à 3 mains de skip ce fight, ce serait tellement bien. Parce que la musique est géniale, hein, mais pff, c'est long. C'est long quand même. Bah, c'est un peu vrai, hein, Cravoli. Si, c'est un peu vrai. C'est un peu une critique de tout en même temps, hein. Ouais, mais une critique ça peut être positif. Ah, si tu fais contre ça. Ah, c'est ultra deep, hein, Songbird. Ça, hein. Non, mais je peux comprendre, tu vois, c'est une run pareille, c'est tellement éprouvant mentalement que voilà. Ok, la meilleure partie de la chanson. Ah non, c'est pas encore tout de suite, pardon.
Bah oui. Moi je veux un mode où on peut faire en x2 dans le jeu de base. Hein. Là c'est stylé. Bon là c'est la meilleure partie de la chanson, normalement. Allez. J'ai l'impression que c'était long. Bon là on n'a pas vraiment gagné de temps mais c'est un peu normal vu qu'il n'y avait quasi que la chanson. J'ai failli refaire la chanson, ça aurait été très grave. Ça aurait été très grave, mais ça va. Ok, on retourne voir le hibou. On lui dit, wesh mec, j'ai trouvé une nouvelle note, ça va. Là on va pas dans l'ascenseur direct, même si on peut faire ça. Parce que sinon, on n'a pas accès à la suite. Donc on va dans l'ascenseur et on descend. Puis sub 2. Ben, merci. Voilà. Ok. La sauvoirie, effectivement. Allez. Ah, Egbert, il est revenu. On t'aime, Egbert. Là, je suis beaucoup trop longue. Oh merde. On sait que ça passait. Ah merde, j'ai raté le cycle. Ils ont les tags du stream. Ils ont très bien les tags du stream. J'ai pas pu lire tout le message, je suis désolé, je suis en plein run quand même. Seul abonnement Twitch. Fier, je suis assez fier. Si on sauvegarde pour peut-être faire la strat de fou. J'ai peur de la faire, ça risque de gâcher toute la run.
Je l'ai pas vraiment entraîné. Mais bon. On est là pour prendre des risques ou pas? Ah, putain, j'arrête, faut que j'arrête de lire le chat là. Faut que j'arrête de lire le chat. On prend des murs. Ok, bon, ça pour beaucoup de gens, c'est très clairement. Très clairement la meilleure musique du jeu. Pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Je ne sais pas si c'est la mienne. Mais c'est possible. Aucun excellent. Mon influenceuse, exactement. C'est vrai que ça fait un peu Patrick Sébastien. J'arrive pas à être en rythme sur celle-là, c'est abusé. Un peu plus raffiné, ouais, quand même. C'est un peu du Patrick Sébastien mélangé à de la musique classique. Ça fait un beau mélange. J'ai fait une fausse note. Alors elle est passée cette chanson. Il a mis un good? Sérieux? C'est parce qu'il y avait deux notes en même temps, je pense, non? Je sais plus. Oh, ce time save de fou. Et là, est-ce que ça a marché? J'espère. Merde, attendez. Je crois que je suis trop bas. J'espère pas. Ah, je suis trop bas. Non, c'est bon. Petit skip. Petit skip qui a marché, je suis si fier, putain. Ce qui se passe, c'est qu'il faut que je quitte le jeu, genre, pendant la sauvegarde. Parce que normalement, ça sauvegarde et ça me respawn au fight. Si je quitte et je relance, mais vu que je quitte pendant la sauvegarde, bah, je peux skip le truc. Merci, merci. Mais t'inquiète, on l'utilisera plus du tout. Jamais. Sauf si j'ai menti.
trouvé ça genre littéralement 10 minutes avant de lancer le stream. C'est le moment émotion, arrêtez. Au niveau du lore, tout en jouant, ce qui va être très compliqué. En gros, quand on est venu la voir la première fois, elle pleurait parce que genre elle se faisait bully par des méchants pas gentils, et du coup on est allé les voir et elle leur pétait la gueule. Merde, c'est très compliqué de... Je savais pas que c'était si dur de jouer un jeu de rythme mais parler en même temps. Du coup on est allé voir les oiseaux juste avant, ceux qui ont fait la chanson que j'ai skip avec le glitch de fou, et en fait, ils voulaient pas la bully, c'est juste que c'est des gemmes au cœur. Et du coup, ils rigolent tout le temps. C'est le principe. Voilà. Je suis très heureux d'avoir dit tout ce lore en expliquant très mal et en gâchant la chanson. Tu connais déjà Crevelli. Ok, je recommence. En gros, elle se fait bully par des gens. Non. Mais t'inquiète, on va la bully après. Notre tour. Vous venez d'arriver, en gros, bah lisez les paroles de la chanson. Si vous comprenez pas l'anglais, en gros, bah demandez à Aurélie de me demander de mettre la traduction française qu'elle a fait. Nous écoute Aurélie, on t'embrasse. Et ça se trouve c'était pas Aurélie son prénom et je me suis trompé et j'ai oublié, mais si c'est pas ton prénom Aurélie et que tu nous écoutes, désolé. Bisous tout de même. Ok. Ça me stresse un peu. Ah, bah désolé. Oh, ça a marché. On a skip le câlin. Le câlin skip. On a câlin skip, putain. Oh, je suis fier. Je suis fier, on a câlin skip. Ah là, je pense... Le câlin skip, c'est facile, 30 secondes. Hein. Parce que là, normalement, je dois lui faire un câlin qui dure vraiment longtemps. Puis, elle me parle. Bon, ça va vite parce que je mâche. Puis après, elle fait une animation où elle fait tomber des pommes en mettant un coup dans le mur. Et elle fait « Oh lol, trop cool, des pommes et tout, et nous, on est heureux. » Donc, à mon avis, c'est minimum 30 secondes de time save. Ah oui. Alors, j'ai pas précisé. En effet, c'est peut-être le meilleur perso du jeu. En tout cas, dans ceux qu'on voit dans la run. L'oiseau en haut ? Ah, j'avoue, ils ont peut-être repris les couleurs, mais à part ça, ouais, non, bof.
Ah ouais, j'avoue que le pisto, bon. Ce perso est assez incroyable quand même. C'est vrai que ça m'inquiète beaucoup. Là, je suis en stress. Oui, la manette ne cache pas, je l'ai un peu bougé. Moi, elle cache sûrement d'autres choses, mais tant pis. C'est le mime un peu. Et je soupçonne qu'il y a peut-être moyen de skip ce fight en faisant un peu hein, ce que j'ai fait en skippant le câlin. Si jamais je vais d'abord, je remonte sauvegarder près du hibou, puis que je redescends. Mais je crois que c'est impossible. C'est compliqué en tout cas. Mais franchement, si j'arrive à faire le sub 1h30, je suis fier, tu vois. Mais là, à mon avis, genre avec ce que j'ai trouvé, il y a moyen de déjà améliorer pas mal. Faut juste trouver les endroits où c'est utile ou pas. J'ai pas pris le temps de le faire aujourd'hui, mais... Après, on peut pas vraiment appeler ça un glitch, c'est juste une abuse un peu la save. Je sais pas ce que j'ai raté, je faisais pas attention, j'ai me trompé de note. Désolé. Désolé à toute ma commune. Non, pouvoir skip ce fight, ce serait quand même pas mal en vrai. Ah, ça a bugué. Ça vient de toi ou de moi? Parce que si ça vient de moi, c'est le malaise un peu. Ça va
ça va. Un sub, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah! Et du coup, j'espère que la VOD elle est pas coupée, parce que si c'est le cas, c'est un peu la merde. Hein. J'espère qu'elle sera ok. De toute façon, j'étais au milieu d'une chanson, donc au pire, on peut retimer. Une minute neuf, waouh. Je sais plus s'il y a du texte, mais je crois pas. Non, c'est bon. Je crois qu'il parle tout seul après. Ouais. On se rapproche du meilleur perso du jeu selon Créovelli. Et du meilleur perso du jeu selon Barba, qui n'est plus là, il est juste passé 3 secondes et demie. Stefano! Le top 1 Songbird, quoi? Ah, tu vas forcément adorer. T'es obligé. Il est incroyable. Peut-être que tu préféreras un des autres persos, mais celui-là tu vas forcément l'aimer. De toute façon, il n'y a aucun perso qui est détestable dans ce jeu. Allez Stefano, heureux de te rencontrer pour la 15e fois. Cette zone est plutôt incroyable, vous allez voir. Le flow serait pas détestable. Ok. C'est mieux que le marin, Freddy. C'est mieux. On va le rencontrer pendant quelques secondes là, juste là. Le voici. Est-ce qu'il est pas incroyable? On va le revoir, vous inquiétez pas, on va le revoir. Non, le marin est pas mieux, tu vas voir, tu verras. Là, on l'a juste
entreaperçu le chef. Ok, vous devez compter avec moi, s'il vous plaît. Il me faut absolument 5 ingrédients pour que le chef puisse faire sa recette. Sauf qu'en fait, il est allé les cacher. Et il les a tellement bien cachés qu'il est incapable d'aller chercher lui-même. Du coup, c'est à moi de le faire. Le malaise un peu. Mais ouais, il est trop appréciable le fossa. Et là, vous pouvez voir une mécanique que vous n'avez pas vue avant parce que j'allais trop vite. Mais quand on récupère des notes dans les différents mondes, eh ben ça change la musique. Et je trouve ça vraiment trop bien. Et c'est lequel? Ah, c'est le puzzle. Ok, celui-là, il a pas l'air, mais il est chiant. Parce qu'il faut vraiment pas pousser le dernier bloc. Parce que si on pousse le dernier bloc, ben on peut plus monter parce qu'on saute pas assez haut. Non mais c'est un chef, tu vois, lui son job c'est de cuisiner, c'est pas d'aller chercher les ingrédients. Tu vas l'adorer, tu vas voir. Vous pouvez pas juger le chef avant de l'avoir vu à la tâche. Celle-là, elle est assez dure, cette énigme, il faut avancer. Ok, là, je vais essayer de pas faire la même merde que la dernière fois. On va pas être greedy. Et de 4. Par contre, c'est vraiment chiant parce que vous avez exactement la même couleur de pseudo et la même longueur. Et du coup, très compliqué de savoir qui parle. Freddy et Pong Doug. Ouais non mais c'est pour moi moi j'ai pas je vois pas les mêmes couleurs que vous normalement. Oveli non plus, mais c'est pas pour les mêmes raisons. MDR! Ah, j'ai raté, je me suis pris le karma. Moi, je vois deux rouges. Oh, Freddy, merci! Alors, est-ce qu'il est pas incroyable ce chef? Oh là là, ça copie. Le génie, c'est un peu de prendre les bonnes idées, hein, même si elles viennent des autres.
Putain, mais je lis le chat, je rate. Daniel Ducel, elle me fume. C'est vraiment la meilleure de toutes. Merde. Merci, merci. Donc clairement à 20. Et si vous mettez moins 2, ça fait 18, ça me va. Ça reste au-dessus Cyberpunk qui a eu 17 de JVC. On dit rien sur le fait qu'il utilise ses deux jambes en même temps pour cuisiner. Il a eu 7 sur PS4. En vrai, un 7 de JVC, pour moi, c'est honnête. Hein. Ils ont l'habitude de mettre des bonnes notes, comme des 7 ou des 8. Pile 58 minutes. Ok. Bon. C'est maintenant que les problèmes commencent. La fameuse. La zone des pingouins. Faut mes notes à l'aide. La fameuse énigme que je vais sûrement encore foirer parce que y a pas de raison. C'est même pas dit que je trouve le chemin direct. Hein. Oh yes, j'adore la vie. Mais non mais. Merci. Est-ce qu'on a le bug de caméra cette fois? Vraie question. Ah, c'est bon, j'ai pas eu le glitch. Je suis désolé, c'est bon, je fais des efforts quand même, j'essaie moi. Cringe, te cringe. Je vais mourir. J'ai raté le ski. Il y a prendre les notes et il y a les utiliser, c'est autre chose.
J'ai fait de la merde, je suis vraiment con. J'ai oublié de pousser la caisse. Je me déteste, désolé. La preuve que mes notes sont mal faites. Bon, ça, c'est pas très grave. C'est vrai que j'ai tellement été chier la dernière fois que c'est même peut-être pas. J'ai peut-être même pas perdu de temps sur cette énigme là. Ah, chaque fois. Ça passe. À chaque fois, je me trompe de côté. Egbert toujours à fond, bah logique, c'est Egbert. Il est là, hein. Eugène en français. J'ai raté le cycle. Je vais aller trop vite. C'est nice. Ce puzzle horrible. Allez. Et je crois qu'il est passé. C'est bon. Bon, celui-là, on a gagné du temps dessus par rapport à la dernière fois. C'était pas parfait, mais. Allez, descends, je t'en supplie. Ah, mais il était pile dessus et il est quand même arrivé à côté. Ok, c'est sur celle-là, je crois que je m'étais le plus foiré. De souvenirs. Allez. C'est mieux comme ça quand même. Un peu plus rapide que la dernière fois. J'ai juste recommencé trois fois l'énigme.
Ah, il y avait un sol invisible. On a réparé l'ascenseur, youpi. Nice. C'était pas parfait, mais Cravoli, tu peux pas dire que c'était pas mieux quand même. Là, j'ai quand même fait un effort, non? Bon, ça se voit. Ok. Encore une fois, une musique incroyable, extrêmement difficile cependant, même si ça se voit pas forcément. Moi, j'ai rien lu du chat, je suis désolé, mais c'était un peu la concentration. Comment ça, t'as toujours rien vu, Freddy? Chat, je suis désolé. Arrête de lire le chat. Par où? Je peux lire le chat en plus pendant les pauses. De la merde. J'en veux plus. J'en veux plus de ma vie. Désolé, je suis vraiment désolé. Chaque fois que je vois un message pop à droite, mes yeux se tournent et je perds toute concentration. Il se lève pas derrière les oreilles. Mon secret. Mon secret découvert. N'espérez trop haut. Non, j'ai split une seconde trop tard, désolé. Désolé à toute ma commune. Je vais avoir beaucoup de mal à gagner du temps sur le prochain split, étant donné que... Bah voilà, c'est le prochain split. Non, bon, bon. Oh, 2040, waouh. Waouh. Wow.
Le 1 minute 50, 1h50 me paraît vraiment compromis. Vous les avez adorés en solo. Et voici en duo. Et où la saucisse de 40 cm? C'est méta. Je me trompe de touche. Petit featuring. C'est un peu ça. Hein. Allez. Je suis vraiment pas concentré, c'est abusé. J'espère que la fin de la run va se passer correctement. Bon, ça, il reste pas grand chose où je peux gagner du temps à part la zone des fleurs. Mais je crois que je l'avais pas si mal fait que ça, à part un puzzle où j'ai perdu 1 minute 30 même. C'est un peu facile le call maintenant. Aïe. Je
Yamas de Vior, comment ça? Le Perse. Bonsoir à tous si vous êtes là, si vous existez. N'hésitez pas à dire bonjour. Merci Fédi. Oh tiens! Comme par hasard, je fais pile le même temps. C'est fou, hein, c'est fou ça. Et c'est pas du tout dû au fait que bah, la seule chose de cette section, c'est une chanson. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bah là, c'est, là, je t'avoue, c'est compliqué, hein, parce que c'est presque du tas, hein, ce que j'ai fait. Bonjour, bonjour, bonjour. Celui-là devrait être similaire. Ah, j'ai mal à la tête. C'est vrai que tu parles, merci. Je vais boire, je suis désolé si j'arrête les premières notes. Ok, ça devrait aller. Non, c'est pas mon daron. Oui, je peux totalement gagner sans jouer, sauf les deux premières musiques du jeu. Parce que c'est le tuto. Les deux premières, si je ne joue pas, bah, il va à l'infini me faire refaire. Mais si je ne touche pas à la manette pendant une musique, elle va quand même se passer exactement à la même vitesse. Je soupçonne même qu'avoir un moins bon score, vu que la barre à la fin elle finit plus vite, bah, ce soit plus rapide. Mais je... La flemme. Là, c'est ça. Ça revient presque à... avoir une run de 2 heures avec 1h20 de cinématique. Moi je joue, moi je joue. Ouais, techniquement c'est plus méta de ne pas faire les musiques, comme ça tu te concentres que sur ce qui est important, mais moi je... Voilà, tu vois, je suis là pour ma communauté avant tout. Ah, je sais pas, hein, y a peut-être. Hein. Ah, moi je voulais Speedrun Monster Hunter World, mais c'est pareil, il y a. Pardon, il y a. Je sais pas combien d'heures de cinématique pour finir le jeu, on peut pas les skip. Il y a Suzy dans mes viewers ? Bah bonjour Suzy. À quand le let's play sur ce jeu ? J'ai appuyé sur Y. Il y a un seul runner ? Si j'avais le jeu, j'aurais peut-être testé. Ça doit être la pire chose au monde. Ça doit être horrible.
sûr. Ça doit être infâme. Ouais. Merci. C'est calculé. Il est vraiment chaud ce passage, il est trop stylé. Merde, je split trop tard. Je suis en avance. Ah mais je crois que j'avais split trop tard sur le duel de danse la dernière fois. Je sais pas. Mais non, je suis vraiment sûr que Miss, enfin quasiment sûr que Miss, ça fait pas perdre de temps. Mais c'est pas impossible que ça en fasse gagner. On y est presque, 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 tout est relatif. Ok, là c'est le meilleur passage, c'est le machine. Ouais, les 9 derniers, je peux vraiment arrêter de run. Bientôt, non, il me reste quoi, une demi-heure, j'irai. Bah, 32 minutes. 33, ça dépend. Il se pourrait que l'hibou soit un méchant et qu'il vienne juste de nous péter la gueule. Là, ça devient grave du sérieux, mais j'avoue, je skip un peu le texte. Et là, on peut voir qu'Egbert est dans le coma. Il y a cette personne bizarre qui arrive et qui nous dit « Wesh, je vois qu'Egbert est dans le coma, gros. » Ok. Je me souviens pas trop de ce passage, hein. Donc on va improviser. Allez, la plateforme. Ça passe. Faut compter les fleurs, je vous en supplie. Il faut 6 fleurs bleues en tout. Eugène! On t'aime, Eugène. Ah, c'est pas... Ah!
Je fais de la merde, je fais de la chiasse. C'est pas par là du tout, qu'est-ce que je fais? Oh là là, j'ai oublié où c'était. C'est par là. C'est par là, ça arrive. Je vais vraiment faire... Ok, j'ai perdu 10 secondes sur ça. C'est très grave, très très grave. Ah, y'a Chris qui pré-shot. Non mais là, du coup, ça va... Arrêtez. Bon, ok, c'est ma faute. J'ai dit, faut compter. Il faut bien compter. Surtout. Je les ai pas toutes. Arrêtez de dire des conneries, putain. Pardon. Hop. Ah. Je suis à 3. Ok. Aïe, aïe, aïe. Non. Tout va bien, tout va bien. C'est la panique. Voilà. Mais t'endors pas, Crioveli. Je sais que cette phase est un peu lente. Mais c'est normal que tu sois persuadé que c'est à la cinquième. Il y a l'autre qui a mal compté dès le début. Il a induit tout le monde en erreur, sauf moi, parce que moi je suis quand même un génie. Allez, le puzzle que je vais sûrement pas rater cette fois. On y croit. Ça aurait peut-être été intelligent d'aller le tester d'abord. Ah, c'est mieux quand même cette fois. Ah. Désolé, pendant toute ma commu. 6! 6! On a tout. C'était un peu plus rapide que la dernière fois quand même. Faut bien le dire. Ok, let's go. Et à partir de maintenant, je n'ai quasiment plus aucun moyen d'accélérer le... La run. Je... Voilà. Le temps est quasiment fait. Il y a peut-être un skip que j'ai pu trouver, mais je vais pas le tenter parce que je l'ai pas essayé avant. C'est ça. C'est exactement ça, Freddy.
Alors j'adore cette chanson, mais Crivelli dit que c'est de la merde. Moi je pense qu'il y a un skip. Il y a peut-être moyen de skip le passage après cette chanson. Et qui, si tu te souviens, Crivelli, il était un peu lent. Mais je sais pas si ça marcherait. Et je vais pas le tenter aujourd'hui, évidemment. Allez, on peut sauver Hubert. Allez. Plus que Squeezie, mais sinon il stream pas. Wow, 3 minutes 39. Ouais, j'ai vraiment perdu du temps en fait sur cette zone. Parce qu'elle était même pas parfaite cette fois-ci et j'ai quand même presque gagné une minute. Bon là c'est le moment émotion. Elbert vient d'éclore. Et il est un peu trop cute quand même. Il est quand même vachement cute. Et là, on se rend compte que la personne qui essayait de sauver Egbert, c'était en fait son papa. Là, c'est la phase mashing pendant la phase émotion, je suis désolé. Il n'est pas adopté, c'est vraiment son père. C'est juste que son œuf, il était tombé. Pendant la guerre, et du coup, bah, il a perdu son œuf, le père, et du coup, l'œuf il est tombé chez les poulets, et les poulets ils ont bouli l'œuf parce que c'était pas un œuf de poulet. Là, je fais du moonwalk, et voilà. Et là, cette phase là est super lente, et j'aimerais beaucoup pouvoir la skip, mais je ne sais pas comment. Enfin, j'ai peut-être une idée, mais oui, la guerre. La guerre, oui, la guerre. Là, c'est encore le moment où je peux aller pisser si je veux, tellement c'est long. Cette merde. Ouais, ils sont sur son battle de danse. Et c'est dur de garder tes œufs quand tu danses. Pourquoi pas? C'est cool les méduses.
Moi, je crois. La meilleure phase du jeu. C'est super rapide. Des galipettes, hein? De quoi tu parles? Et là on retrouve Onclepan! Le magnifique Onclepan. C'est vraiment la phase machine de l'univers encore, mais... Je suis désolé de vous infliger ça. C'est horrible. Pampan cucu, je suis tellement fier de toi pour cette blague. Non, oncle Pan. L'heure est grave, les amis. Nous sommes très tristes, nous pleurons. Donc le pont vient de se faire kidnapper. J'ai tellement de notes que je fais bugger le son et je suis désolé. Phase émotion. Qu'est-ce que c'est ? On ne juge pas l'humour de ce jeu. Les villes de Mario 3, t'abuses.
sont très différentes. Le problème, c'est que c'est pas lui qui l'a fait. Ça vient vraiment du jeu, ce jeu de mots. Trompé de touche. Je te l'ai. Aïe. Le boss final va être très dur si je suis aussi peu concentré. L'émotion. La OSEF niveau du temps, c'est juste pour la beauté de la chose. J'ai perdu du temps, comment ça? Comment j'ai perdu du temps? J'ai perdu du temps où? Peut-être sur mon machine. Ah, ou alors c'est peut-être parce que j'ai raté un des cycles de l'ascenseur ultra long là. Bon, du coup, ouais, émotion, c'était notre maman et pas non, notre papa depuis le début. Freddy, t'étais pas loin, mais t'avais tort. Désolé. Ok. Dernière phase de douleur intense. C'est vrai, hein, c'est la société patriarcale, hein, ça. C'est vrai que ça aurait pu être l'oncle aussi. Comment on va sortir de cette situation, putain? J'ai bugué le son. Egbert! Tu vas devoir t'éclipser, mais on est littéralement genre au dernier truc du jeu. Littéralement. Ça fait très grave.
Ce platforming qui est vraiment difficile, juste parce qu'il est mal fait. Non, mais je l'avais trop bien fait. Je suis deg. Le fameux. Ah, j'ai oublié de prévenir, c'est très fort. Je suis désolé. J'avais oublié de le dire. C'est à cause du Cryovelli qui m'a fait monter le son au début. Qu'est-ce qui était pas skippable ? Il est trop stylé ou pas? Je sais pas s'il est skippable en vrai. J'avoue que j'ai pas beaucoup passé de temps sur cette phase. Moi, c'est qu'il faut refaire tout le jeu à chaque fois. Désolé. Je fais n'importe quoi. Non, non, mais l'1h50... Ce qui est bien avec ton call, Cryovelli, c'est qu'on peut littéralement calculer exactement le temps qui reste. Voilà, à part si je le fais exprès ou que je sais pas, ou qu'il y a un crash. J'ai mal à la tête, c'est horrible, je n'y arrive pas. En plus, c'est la phase la plus facile du fight. Ressaisissons-nous. Allez. Il y a 1h52, tu te trompes. Oh. Phase 3.
Oui. Aïe. C'est vrai que c'est un peu intense. Est-ce qu'il est pas incroyable ce boss fight? J'y étais encore, encore! Allez, allez, lâche, t'en supplie! Ah là 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 là. 1h57, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Franchement, respect. Respect, respect. Je suis pas de mèche, j'ai rien fait. J'ai donné tout ce que j'ai pu. Regarde, j'ai quasi que des Rainbow Split. J'ai vraiment donné tout ce que j'ai pu. Ah, le Cravoli, franchement, respect, giga respect. Merci, merci, merci. Ah, je pensais pas. Eh, franchement, j'avais dit que peut-être que le 1h50 était possible. Honnêtement, avec ce que j'ai fait là, s'il n'y a pas de skip en plus, je pense pas. Hein. 1h55, il y a sûrement moyen, mais ouh. Putain, Cravoli, t'aurais dû call. 1h55 finalement. Là vous voyez tous les mobs, enfin tous les mobs, tous les persos que vous avez pas vu parce que c'est un speedrun. Mais ils sont vachement cool quand même. Surtout Dabson. J'adore ce jeu. Ouais, Pou, t'es un super perso.
Écoute, il se pourrait que ce soit encore plus qu'un super perso, mais je peux pas le dire. Peut-être vous le verrez si je fais une run 100%. Un jour. Ce qui serait beaucoup trop tryhard pour ce que ce jeu est. Et je pense que je n'aurai jamais le courage de faire une run 100% sur ce jeu. Et pour la blague, peut-être que je le fais, tu vois, mais... Vous voyez la zone de glace, bah, le speedrun 100% de ce jeu, c'est un peu ça, mais tout le temps. Mais j'ai totalement le world record vu que j'ai battu mon propre world record. Mais maintenant j'ai aussi le sub 2 heures. Regardez, c'est trop mignon.